Bonjour, et aujourd'hui, en 5 minutes, je vais essayer de vous montrer comment on peut hacker une spectrométrie gamma de plusieurs milliers d'euros. Pour cela, il nous faut un détecteur à scintillation, une box qui permet d'alimenter le détecteur et de récupérer le signal pour le transmettre à la carte son qui va faire le travail de traitement du signal grâce à l'intermédiaire d'un logiciel qui s'appelle PRA. Voilà, c'est celui-ci, c'est pas celui-là. Voilà. Je le dis, c'est génial que certains annoncent comme un cadeau pour l'humanité. Alors, pour vous dire à quel point il est vu comme vraiment un truc génial. Et c'est vrai qu'il est génial, il permet de faire plein de choses. Alors, donc c'est déjà précalibré parce qu'il y a quand même pas mal de bidouillage à faire. Et pour trouver le bon signal, le bon rapport signal à bruit, la bonne forme, parce qu'en fait le logiciel permet de reconnaître, de différencier chaque pulse venant du détecteur parmi le bruit de fond et parmi tout ce qui peut représenter du parasite, du signal parasite pour le traitement final. Donc mon détecteur est prêt, ma box est allumée. Et j'ai mon petit Arduino GNGR qui est juste à côté. Et je vais vous montrer à l'aide d'Audacity et vous faire écouter le signal qu'on peut obtenir avec ce type de détecteur. Voilà. Hop, c'est parti. Évidemment, ce qu'on mesure, c'est que du rayonnement gamma. Hein, et on peut mesurer avec d'autres types de détecteurs le rayonnement bêta ou alpha, mais là, c'est vraiment que des gamma. Et c'est relativement bruité. On voit que le bruit de fond est. Et c'est pas ce que mesurent la plupart des compteurs GGR qui sont moins sensibles, hein, bien évidemment. Là, on a une plage de mesure qui est beaucoup, beaucoup plus grande qu'avec un compteur GGR classique, bien qu'on peut mettre des compteurs beaucoup plus. Des tubes de compteurs GGR beaucoup plus sensibles. Voilà, j'arrête et écoutons ce que ça peut donner. Voilà, ça me rappelle un petit peu. Ça rappelle un petit peu l'origine du compteur GGR. C'est pas funky funky. Hein. Bon, si on regarde de près le signal, la forme du signal. Tac, 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 tac. Ouais. Et oui, c'est du brut. C'est vraiment du brut. Hein. C'est rien. Il n'y a pas de traitement particulier électronique là-dessus. Hein. Voilà. Donc, hop, je reprends mon machin, mon logiciel. Ici, PRA, qui a besoin de. Bon, vous trouvez des vidéos hein, pour le calibrer, mais bon, là je suis sur la carte son, 48 kHz, 48 000 kHz, ce qui répond en qualité audio analogique à du 22 kHz, un peu pourri d'ailleurs. Et je lance une calibration rapide, mais que j'ai déjà faite hein, auparavant, mais c'est juste pour vous montrer, voilà, ta 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 ta. Il balance, j'arrête l'acquisition, et voilà, donc ça c'est que c'est les pulses plus le bruit, et ça ici c'est la box pour intégrer dans les calculs la forme du signal. Voilà, donc moi j'ai déjà validé tout ça, c'est appliqué, il me reste juste qu'à envoyer la mesure. Tac. Et c'est parti. Je change l'amplitude. Et rapidement, qu'est-ce qu'on voit? Ben oui, du bruit. Du bruit. Bon, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter. Et je vais mettre maintenant dans un puits en plomb. Voilà. Un gros puits en plomb, à peu près 3 cm d'épaisseur. Et je relance la mesure. Et là, forcément, il y a beaucoup, beaucoup moins de bruit. Quasiment plus. Intéressant, n'est-ce pas? J'arrête ma mesure, et cette fois-ci, je vais mettre dans mon puits un petit échantillon. Que voilà. On dit toujours son bon sens, hein, on ne fait pas mieux avec des échantillons fortement radioactifs, non, c'est pas la peine. Voilà, c'est vraiment du fermilion. Et je mets un son dessus. Et là, on va mesurer
Tada! Et voilà. Je suis déjà. Déjà, hop, on voit monter. La raie. Plusieurs raies d'ailleurs. Correspondant à ce qu'on mesure, qui est du minerai d'uranium faiblement radioactif. Inférieur à 0,5 microsievert, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. J'arrête la mesure et je vais charger la mesure que j'ai faite hier. Voilà. Voilà ce que ça donne au bout de 2 heures. On voit, hop, plein, tous les bons rebonds là sur le résultat, ce sont des raies de. Qui correspondent à une quantité d'énergie et qui correspondent à un radioélément type. Voilà. Bon, comme il n'est pas calibré, je ne peux pas aller plus loin. Mais vous avez déjà une mesure bien intéressante du rayonnement gamma pour pas bien cher. Bon, c'est quand même beaucoup plus cher qu'un compteur GG. Hein. Il y en a, mais on a déjà beaucoup, beaucoup plus de choses intéressantes pour travailler. Et si j'avais par exemple du césium, ben j'aurais une magnifique raie qui apparaîtrait ici et qui trahirait sa présence. Voilà, ben écoutez, PRA, c'est vraiment génial. Et ça aussi, c'est très très bien, mais on peut le fabriquer soi-même, ainsi que le détecteur. Et d'ailleurs, ce sera peut-être la prochaine étape. Voilà. Donc, ben, amusez-vous bien si ça vous intéresse. Je peux répondre à toutes questions sur... N'hésitez pas à poser des commentaires, à mettre des questions dans les commentaires. Voilà, merci, à plus.